Élu depuis 20 ans dans la même circonscription, il était le type même du député d'arrondissement. Ne déclarait-il pas avec une certaine fierté « Je n'appartiens à aucun groupe, j'appartiens à mes administrés. Votez pour moi, c'est voter pour vous. » Fin de citation. Ses adversaires pouvaient l'accuser d'arrivisme ou qualifier son action de démagogique. On ne lui connaissait pas pour autant d'ennemis notoires. L'enquête policière s'annonce difficile. Alors, crime politique, très improbable. Crime crapuleux, plus vraisemblable. Il y aura 20 ans, le 18 août prochain, que monsieur m'a pris à son service. Mémoire ? Une qualité indispensable dans mes fonctions, monsieur. Comme tout entendre et ne rien voir. Et on en voit des choses. Vous permettez ? Sérieusement branché sur la gaudriole, votre patron, hein ? Monsieur recevait effectivement beaucoup, le soir, des dames. Des dames seulement ? Des dames uniquement. C'est bien, ça. C'est bien. Ouais, c'est bien. Bon, monsieur recevait effectivement beaucoup le soir des dames uniquement. Et hier soir comme d'habitude, monsieur m'avait donné la consigne brève, sèche, concise, souper au champagne et hop. De l'air, quoi. C'était ainsi. Monsieur était bref, sec. Et concis, alors? Eh bien, ayant reçu l'ordre de m'éclipser avant l'arrivée de la dame, je n'ai pas vu celle-ci. D'ailleurs, je n'en ai jamais vu aucune. Messieurs, commissaire vous demande. Prêt ? Chewing-gum. Où sommes-nous ? Une femme, apparemment. C'est amusant. Femme fatale. Une étrangleuse. On travaille au fil d'acier. Tiens donc, intéressant. Mais je vous informe que l'affaire n'est plus à nous. Elle relève de la brigade criminelle. Plaisantez.
Je suis pas d'accord, mais on a commencé, on termine. Arenas, vous m'emmerdez. Et c'est pas la première fois. Monsieur, laissez-moi vous rappeler que... Je sais, vous êtes de la territoriale, je sais. Détaché chez moi, je sais. Mais détaché ou pas, autonome ou pas, je reste le patron. On consigne la déposition, on transmet le dossier, et vous deux, direction Saint-Grégoire. Collard a besoin de vous. Exécution. Arenas, chewing-gum. Pittoresque. Chez vous depuis longtemps? 3 mois. Cadeau de la BT. Un cadeau? Je demande des services. Je vois. En fait, ce type d'affaires est très particulier, commissaire. Le ministère s'y intéresse. Le député Albanel était noté chez nous pour ses liens avec la finance. Politique plus argent. Sulfuré. Précisément. Terrain miné. C'est à toi que je cause, pas à Bamboulin. Mais je vous réponds. Je ne conteste pas la loi, mais la manière dont vous l'appliquez. Elles te plaisent pas, les manières? Elles sont... moches. Allez, embarquez-moi ça! Les squatters qui font chier, pas eux. Bah tiens, et l'article 24 de la loi de 72, tu connais? Ceux qui par imprimés, placards ou affiches auront provoqué à la discrimination d'un groupe de personnes en raison de leur appartenance à une race, une nation ou une religion déterminée seront punis d'un mois à un an de prison. Allez, roulez! Et roulez! Documenté, les spingos. Autant les Portugais sont gays, autant les Espagnols sont gnolles. C'est comme ça. On les nique, merde! Plus le gaz, les mecs. Allez, allez, on lâche tout. Ah 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 Thank you.
jolie dame. Richard Winmark avait le même dans Alamo. Du coup, les Spingos. Et voilà, la voilà. C'est quoi qu'on nous reproche? Dans le genre, je lance le couteau bien. Là, tu m'assieds. Tu t'entraînes chez Pinder ou quoi? L'arme blanche Ferrare. Le Cyril Arsepay. Le Rémouleur Agonie. Bon, ben que toi, ça commence à pisser. Approche ta banane, Cochrane. C'est parti! Largué, misérable et tout. Eh, tu peux hausser le ton, madame est casquée. Casquée et blonde. Nouvelle partenaire, inspecteur. Les femmes sont des caméléons. Une rousse te quitte, une blonde te revient. Non, sérieux, c'est Christine. Bah, je croyais que vous aviez divorcé, tu m'avais dit. C'est quoi ce plan? Elle avait divorcé. Avec le flic. Pas avec l'homme. Pas pareil. Regarde-le, lui, il roule et il est tout pâle. T'as une pharmacie au moins? Mmh. T'inquiète, les enfants de Jean Vincent. Enfin, Vincent, machin et les autres. Allez, ton jeune. On a encore joué au cow-boy? Et l'Indien, on n'embrasse pas l'Indien, hein, dès qu'il n'y a pas les plumes. Oui, si, on embrasse l'Indien. La flèche d'abord? Eh, hey, change rien, t'es super en bon. Maîtresse et mère, la pierre de barre. Passons aux choses sérieuses. Ah! Nouveau Lancaster au mur? C'est quoi ça? Roi des îles. Roi des îles. Ouais, moi, je vais te dire un truc. Ils me font gerber, les mecs qui cassent du métèque. On a volé 2 lascars sur 3. On va l'appliquer, ta loi de 72. Parce que le racisme aura des pâquerettes à ce point-là. Moi, perso, j'ai du mal à y croire. Hein. T'es client, toi? Ça veut dire quoi, en clair? Non, lascar, il me semble un peu évident, tu vois. Et que demain, je me les cuisine façon grand chef. Il y a un truc pas net là-dessous. Ça travaille, les cellules? Du cerveau, du culot, du brio. Il est comme ça, l'Espingo. Un poco de tequila. Si, señor. Arriba. A Juan Bautista Arenas, de Lérida.
mon grand-père. Anarchiste catalan, combattant de la faille, FAI. Ami des hommes, ennemi de l'oppression, chassé de son pays par le franquisme. Réfugié dans le Bordelais, terre d'asile. Et parqué dans un camp avec sa famille. Juan Bautista Arenas de Lérida. Bref, c'est toujours les mêmes qui dérouillent. Moi, en vieux cinémaniaque, c'est plutôt les trangleuses qui me brancheraient. Le fil d'acier, les portes jartelles, ça sonne prometteur, non? Oui, Alpes, ça baise à l'aise. Et la poésie, bonhomme? As-tu seulement vu Ava Gardner dans Les Tueurs? Marilyn dans Niagara? Il y a une rougonfle avec son cinoche, lui. Le décolleté ravageur, le brésil meurtrier, la guépière exterminatrice. Bobo la tête. C'est là qu'on aurait dû faire un pansement. Voilà. Le tiers du cylindre par 10. Finale 5 par 10. Faites vos jeux, messieurs. Faites vos jeux. 532. Numéro 13. 500 sur 33. 500 sur 32. 200 sur 7. 267. Le 20. 400 sur 12. 332. Le 26. 15, 18. 200 sur 26. Monsieur Ryan Bakri. Rouge. Le 7, rouge, impair et manque. Non, non, je laisse porter. Faites vos jeux, monsieur. Allons, faites vos jeux. 438. Rien ne va plus. Les jeux sont faits. Attention. Rien. Le rien. 7 rouge. Le 7 rouge, impair et manque. 6 000 francs, numéro. 200 000 francs pour monsieur. Et ma mise. Personnel. Merci, monsieur. Faites vos jeux, messieurs. Faites vos jeux. Le 17. Le 195 000. 100 000. 195 000. Alors, satisfait de votre visite, monsieur Laguerre? La chance n'a qu'un cheveu, monsieur Carpelli. Et dans mon cas. Revue mensuelle d'annonces de particulier à particulier chez votre marchand de journaux. La météo vous est offerte par Pharam France. C'est la troisième fois en un mois que des échauffourées se produisent dans ce quartier en démolition. Bien sûr, contrôler l'identité d'occupants parasitaires, c'est la loi. Mais pourquoi ne pas écouter ce qu'ils affirment ? Selon Didier Perméja, leader d'une association de squatteurs, les incidents seraient provoqués par des agitateurs étrangers au périmètre Saint-Grégoire. Je le cite. « Même si nous sommes en situation irrégulière, pourquoi ces agressions systématiques ?» La question se pose en effet. Le racisme ordinaire n'explique pas tout. C'était le flash information de Diane Castelin. Merci Diane. Étrangers, le chancelier Kohl se rend aujourd'hui en Bavière, où le Parti vert mène toujours une campagne énergique contre l'installation de missiles américains sur le sol allemand. Ah, de mieux en mieux. Vraiment une arnaque. Gobert est dans son trou. Oui, jusque-là.
Tu vas bien? Stagiaire, c'est pas le pied. T'inquiète pas, tu vas prendre du galon. Que ressentent les grandes multitudes de mes compatriotes de tous les déforme et les affaiblir. Mais je voudrais aussi les délivrer et les défendre de toutes les objections et accusations injustes. Pure arabica? Fallait pas. Arabica, oui. Dis donc, qu'est-ce que c'est que cette connerie de squatter? Tu fais dans le bulletin d'arrondissement maintenant? Dans le drame humain. Et des pauvres à qui on fait des misères, c'est un drame humain. Tu ne le savais pas? Ah, bravo, Castelin, ça va faire péter l'indice d'écoute, ça. Tu les as regardés, tes pauvres? Nos auditeurs, ils sont comme les autres. Trop de basanés, ça les gratte. Daniel, je t'ai connu moins rabougri. Il n'y a plus que les yeux chez toi qui soient clairs. Dommage. Touché. Bah pour les squats, mets un genou sur le cou. Mais ce qui les intéresse, nos auditeurs, c'est le scoop. L'affaire Albanel, par exemple. L'instruction a été confiée hier soir au juge Rougier. Elle était noire ? En personne. Fidèle à sa réputation. Motus et bouche cousue. Certes, certes. Mais notre grande famille à tous... J'ai nommé Flash Radio. Compte sur ta maestria. Elle peut. Les cachotteries, moi, ça m'a toujours excité. J'avais dit 9 heures. Il te faut une plombe pour déterrer 3 procès-verbaux? 5 procès-verbaux. Ça va, c'est un ou deux canettes. Il n'y en a qu'une. Une boîte. Bien fraîche. Tu me cherches, trou du cul? Tiens, là, les duettistes. Ils ont mis staffé les deux mecs, là. Pourquoi ils sont plus ici? Quels deux mecs? Il y en avait 40. Pas les squatters, c'est les provos. Des minables. Ouais, et ça, du caca de toutou, peut-être? On n'est pas équipé pour loger la racaille. Y a déjà foule ici. Un vrai cirque. C'est pour nous que tu dis ça? Parce que la BT, elle t'emmerde. En plus, t'as fait une connerie. Faute professionnelle. Cul-de-sac. Bon, maintenant, il faut retrouver ce type. Quel type? Celui qui gueulait à la provo. Mais tout le monde gueulait! Écoute-toi, tu veux que je te dise ce que t'es? Une erreur avec deux jambes. Silhouette 1 et 2, attention! Silhouette 4 et 5, attention. Sur la 3, cible centrale. Pas de mur dans ma maison. Soigne-toi, les poules. Cours devant chaud.
Ben voilà. C'est tout ce que j'ai dégoté. Ah, c'est pas tout jeune. Au moins, il est propre. La police. Sans-moi, les mecs. La police qui nous veut du bien, paraît-il. Ça m'étonnerait. Quand on m'a embarqué, vous étiez là? Oui. Les provocateurs aussi, c'est eux que je cherche. Classe, les nouveaux flics. Flics et fouteurs de merde, même combat. Je peux en placer une, hein? Elle est longue, ta chanson? Environ 3 minutes. Je crois que ce sera suffisant pour vous expliquer. On verra. Une seule question. D'où ils sortent, ces types avec les banderoles? Mais une seule réponse. La rénovation du quartier. Si on tient le coup à Saint-Grégoire jusqu'au 1er décembre, ils sont coincés jusqu'au printemps. Ils n'ont pas le droit de nous expulser pendant l'hiver. Loi du 9 juillet 1970. Alors on gêne. Il n'y a rien de les arrête, ces salauds. Résultat, ils nous parachutent des nervis. Ça provoque des bagarres dans les squats. Et vous, ça vous donne une bonne raison d'intervenir et de nous virer. C'est ça, il... Naïf, le poulet? Non. Faux cul. Alors, il, c'est quoi l'idée? Il. Merci. Pas en voyant, ça vaut Théo. Enfin, vous savez bien que moi, ça serait plutôt le poker, monsieur Martineau. Salut, mon grand. Salut. Comment tu vas? Bien, merci. Ah, le poker. Hey. Encore un cadeau des Ricains, ça. C'est vrai que t'es un enfant de la guerre, toi. Whisky, Coca-Cola. Tiens, je parie que tu fumes des blondes. Ah, on a pourtant essayé de t'y mettre au billard, avec ton père. Tu te rappelles pas? Chez Riton, rue des Pyrénées. Ouais. Riton. T'étais encore tout môme. Vous, par contre, vous avez pas perdu la main. Oh, tu sais, 1 heure par jour depuis 40 ans. Tu vois, c'est pas un miracle. À ton père, lui, par contre, c'était... Lui, c'était des séries de 200, hein. Et à l'aise. Tu sais, c'est un peu délicat, là, ce que tu m'as demandé. C'est pour ça que j'ai préféré vous voir ici. La liste de ton collègue, là, je l'ai complétée. Là, dans la poche droite. Alors, ça te va, mon grand? Tu lui as tes renseignements? Ouais. Merci, monsieur Martineau. Mais il y a un détail qui me chiffonne. Dans les sociétés sous-traitantes, il y en a 4 à la même adresse, au quartier chinois. C'est là qu'il y a un os. Quel os? Bah, tu sais, l'immobilier, c'est beaucoup d'argent, hein. Alors il peut y avoir des infiltrations douteuses. Remarque que la SIF de Raoul Favreau, qui supervise l'ensemble des travaux, ça, c'est une société réglo, hein, avec des garanties solides. Nous, à l'hôtel de ville, on a souvent bossé avec elle. Dis donc, c'est vrai ce qu'elle m'a dit, ta mère, hein? Tu vis plus avec Christine? Compliqué. Non, on était mariés, maintenant on est concubins. Dites, si on en revenait à l'os? Peut-être des sociétés sous-traitantes fantômes.
Adresse fictive, directeur bidon, tu vois. Alors elles se font rembourser par la ville des factures bidons. On les appelle des taxis. C'est ça, grand-mère. C'est un ticket restaurant. Mais c'est pourtant vrai que vous êtes de la police. Y a pas de bureau là-haut. Que dalle. Les boîtes, elles correspondent à rien. Pardon. Pas de Bégop, pas de Saint-Tech, pas de Stuc. Je te dis, rien que les noms, déjà, c'est pas triste. Ils font vraiment dans le flou, tes fantômes. Mais y a un local. J'ai pas vu de plaque. Oh, ben, ils n'en ont pas mis. Pourquoi, y a personne? Jamais. Sauf un monsieur. Toujours le même. Il passe prendre le courrier, tous les soirs. Tu vois ce que je vois? Et comment, ouais. Adelante. Tu sais à quoi on reconnaît un motard heureux? Ouais, au moucheron collé sur ses dents. Exact. Mes compliments. Vous êtes ponctuel. Toujours. Avec un ami. Ami? N'exagérons rien. Votre amitié coûte cher. Serait sans reproche. Je vous assure que mes honoraires sont tout ce qu'il y a de plus honnête. Et proportionné à mes talents. À propos d'honoraires, on paie d'avance. C'est l'usage.
Liquide? Naturellement. Avec votre chance à la roulette, cela ne devrait pas poser de problème. Vous ne vérifiez pas? Auriez-vous une cigarette, monsieur Lahire? Certainement. Cher ami. Bruno Lahire, administrateur de biens. Bon, alors qu'est-ce qu'on fout? Ben rien. Qu'est-ce que tu vas lui dire à ce type? Que son facteur bouffe du squatter? Ben, on pourrait monter, lui raconter un char, voir sa tronche au moins. Négatif, l'heure légale est dépassée. Eh ben, pas téméraire, l'ancien. Mais professionnel, jeune intrépide. Allez, on n'est même pas mandaté. Let's go, amigo. On affirme volontiers, M. Favreau, que vous êtes l'heureux promoteur d'un bon tiers des grands ensembles de la région parisienne. Le tiers, peut-être pas. De toute façon, ce qui est fait est fait. Parlons plutôt du futur. Du présent. Le quartier Saint-Grégoire, par exemple. Mais volontiers. Le projet me tient particulièrement à cœur. La ville de Paris a conçu dans ce vieux quartier insalubre un plan de rénovation. Et je la remercie de m'en avoir concédé l'adjudication. Le bruit court avec insistance que les immeubles vétustes achetés à bas prix par des groupes financiers anonymes ont été revendus 10 fois plus cher à l'administration. Est-ce possible? Chère Diane Castellin,
Tout le monde connaît votre dynamisme et, comment dire, votre pugnacité. Mais je vous en prie, restons sérieux, élevons le débat. L'avenir réclame son dû. Le pays est en pleine mutation. Le pays, je n'en doute pas. Mais revenons plus modestement, si vous le voulez bien, à la mutation du quartier Saint-Grégoire. Mais nous y sommes. Sur l'emplacement des taudis rasés, une cité moderne sera édifiée. 500 logements, un centre commercial, une maison d'accueil pour personnes âgées, une crèche pour 100 berceaux, 200 places de parking. Voyez-vous, elle est là, ma motivation. Aider la communauté à s'insérer dans son avenir. Le Saint-Grégoire rénové permettra à des centaines de familles de vivre enfin décemment. À propos de décence, des squatteurs ont récemment fait l'objet de plusieurs expulsions brutales. Et à Saint-Grégoire, précisément. Qu'en pensez-vous ? Je déplore la violence, comme chacun de nous. Mais vous le comprendrez facilement, le problème dans sa spécificité m'échappe. La police fait son travail. Moi, je fais le mien, qui est de construire des maisons. Vingt briques, carrément. On courait à l'escalade. Mon père disait toujours, tu donnes ça, on te demande ça, tu coupes le bras. Notez bien, il tenait du concret. Méticuleux, l'administrateur. 10 ans de paperasse. Le genre de littérature qui vous met sur la paille. Qu'est-ce qui lui a pris ? Un coup de fièvre ? Tapis vert, sexe et limousine. Classique. Les maîtres chanteurs tous des caves. D'ailleurs, il est mort. Où est le problème ? Un problème peut en cacher un autre. Les énigmes, ça me fatigue. Traduction. Un motard que l'on file, alors qu'il porte du courrier chez votre cave. Assez grand, bien bâti, poigné de force aux deux bras. Beauchaud. Roland Beauchaud. Je l'utilise pour les petites besognes. Et il sait quoi, votre besogneux ? C'est un occasionnel, pratiquement rien. Mon père disait toujours, pratiquement rien, c'est déjà trop. Je ne prends aucun risque. Occupez-vous de lui. Bonsoir, monsieur. Bastière. Merci. Attendrissant, le repos de la guerrière. Repos mérité. Mission accomplie. Il n'a pas eu le temps de froisser le papier. Retour à l'envoyeur. Et finis tes soucis. Ça, tu gardes. C'est pour le cercle. Et ça, j'emporte. C'est personnel. Non. Raoul, je viens de t'entendre à la radio. Et je suis réellement fier de toi. On a fait du chemin depuis Saigon. Ah, l'Indou. Son fleuve bleu, ses sampans, ses villages suspendus. Ça me rappelle l'histoire d'un petit sous-off de l'intendance. Tout ce qu'il piquait dans les stocks de l'armée, il le fourguait dans un bar de la rue Katina. Patates, sacs de riz, conserves, alcool. Fatalement, le sous-off et le patron du bar sont devenus bons amis. Se sont même lancés dans le trafic de piastres. Rentrés en France, toujours bons amis, ils ont continué à naviguer ensemble. Sans doute avait-il le vent en poupe. Je crois que la guerre t'a laissé de bons souvenirs. Mais où es-tu en venir ? Mon père disait toujours, quand mes amis sont bornes, je les regarde de profil. La confiance règne.
Prévoyance et sécurité. Le dossier est devenu le garant de votre belle amitié. Le seul. Depuis longtemps. Ça vous regarde? Plutôt. Le studio a mauvaise réputation. Il y a eu des plaintes. Police. C'est un gag. Triste réalité. Et ça se prend même comment tout ça? Joséphine! Comme Tony Curtis dans certains mêmes shows. Moi, c'est Léo. Ah, heureusement qu'il est ici. En tête à tête avec vous, baby, j'aurais craqué. Bruno Lahire, administrateur de biens, ça dit quelque chose? Putain! Ouais, t'es douche, tu fais qui ça? Eh, la fille. Ah non, 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 pas ma chemise, la fille. C'est de la soie, ça. Alors, qu'est-ce qu'elle nous fait dans la vie? Joséphine, est-ce qu'elle tourbine? Oh, qu'est-ce que je suis bon ce matin. Et elle rentrait du cinéma. Alibi vérifié. À peine 18 ans, bon chic, bon genre, en vacances chez son oncle. Son oncle est mon œil. Un mois après, il plongeait pour des tournements de mineurs. Grave. Fléchette empoisonnée. Le médecin légiste est formel. Deux meurtres dans mon secteur en trois jours. C'est du bizarre. Les limiers de la territoriale m'amènent un fil d'acier, m'amènent une sarbacane. J'espère que ceux de la crime s'y retrouveront. Ouais! À la bourre, ABT. Tu nous lâches un peu, toi. Monsieur. On y était, là. Villa Montsouris. Approximativement à l'heure du crime. Allez, quoi, soyez chouette. J'ai pas le temps. J'ai fini, vous voyez le commissaire. C'est bien vous que j'ai au téléphone. Allez, le brigadier, juste un tuyau. Le corps. Qui a trouvé le corps? Sa nièce. Il avait une nièce? Anas! Sucette! Bonjour, l'école. Bon, tout part des squats. On arrête de provo. Collard qui comprend lentement. Mais mal. L'air lâche. On en retrouve un, il nous amène Villa Montsouris, et voilà. Les duettistes ont encore frappé. Conclusion, Tessier. Les squats et la Villa Montsouris pourraient avoir un rapport. Bravo, messieurs, vous êtes tout à fait futés. Mais vous n'oubliez qu'une chose, c'est la brigade criminelle qui enquête. Officiellement. Mais nous, on a une longueur d'avance. Le provo, ils le connaissent pas. Vous l'avez fiché, Zagus? Lequel? J'ai deux fiches. Et tu crois qu'il nous l'aurait dit, cet enfoiré, hein? Sur ma vie, un jour, je le mange, lui. Toi, je te fous ça dans le cul, t'as l'air d'une sucette, hein. Suffit! Collard, les fiches. Gorse. Gorse, quand vous étiez dans les sapeurs-pompiers, le feu, vous étiez seul pour l'éteindre? J'aimerais que vous me teniez au courant de vos initiatives. On travaille en équipe. Christiane et Antoine, ajusteur à Créteil. Beauchot Roland, mécanicien à Conflans. Thank you.
Toujours ensemble, hein? Vous êtes pédés ou quoi? Y a rien contre moi. Ils m'ont relâché. Ouais, c'est clair. Je l'aurai pas ici pour les vacances. Hein. Arrête avec tes conneries. Je me suis pété la cheville. Là. Et John Wayne? Hein? Comment il faisait John Wayne? La différence, hombre, c'est que John Wayne, il avait un cheval. Bon, allez, on y va. Clairvaux. Sa vraie place, c'est Sainte-Anne. C'est quoi cette tribu à la con? La main de Dieu saisira la natte et nous mènera au paradis. Luc Maratra, prêt à flinguer pour les grammes de coke. Et va chercher la bagnole, on l'embarque. Ah non, moi je suis pas d'accord. Hein. Pour que la crime nous le pique, je vois pas pourquoi on leur faut une fleur. Je suis blessé, faut m'emmener à l'hosto. C'est ça, pour que tes avocats nous emmerdent et dans deux jours, tu sais plus rien. C'est maintenant que tu vas parler, mon pote. Alors, ce joli carton, commandé par qui? J'ai mal! J'ai la jambe cassée! Faut m'emmener! Écoute, tu parles d'abord, et on parle de la presse! Arrête. C'est mieux. Ségalène! Ségalène! Lucien Ségalène, le Brestois. Qui c'est ça? Un gros poisson. Indigent et pour celui qui pas une huile? Aucun ministre? Un sénateur, un conseiller général. Et encore, le sénateur et son beau-frère. Instructif. Ça confirmerait la rumeur. Albanel trempait bien dans des affaires véreuses, par l'intermédiaire d'hommes de paille. T'es bien assis? J'ai eu ce matin mon informateur du palais. L'un de ces hommes pourrait être Bruno Lahire. Banco. Daniel, tu vas l'avoir, ton scoop. La bavure, c'est votre illuminé. À l'heure actuelle, il est au confessionnal. Un mystique, ça sermonne, ça pérore, ça se répand. Mais il ne vous connaît pas. Mais il vous connaît, vous, Ségalène. Et je suis heureux de constater que vous accumulez les faux pas. Se tromper une fois, c'est une ânerie. Deux fois, c'est une folie. C'est votre père qui disait ça? Je vois qu'il est grand temps d'espacer nos relations. Donne-lui les clés de la tour. Il a besoin d'anonymat. Les flics n'iront pas le chercher là. Connard! Tessier!
Dors, Arenas. Messieurs, ça bouge. J'arrive du quai des Orfèvres. L'avocat de Maratha, Maître Belvert, s'est plaint de vos méthodes. Le juge d'instruction m'a passé un savon. Merci, l'ABT. Monsieur, puis-je vous rappeler que... Je sais, vous aimez être les premiers. Eh bien, vous l'êtes. Le juge a lancé un mandat d'amener contre ce Galen, tant qu'aval. La chasse est ouverte. Pour la crime? Pour nous tous. Seulement attention, le Brestois n'est pas un demi-sel. Braquage, jeu, prostitution. Vous n'alpaguerez pas comme un vulgaire pickpocket. Je vous répète que personne ici ne connaisse monsieur. C'est une nouvelle uniforme. On ne touche pas. Vous savez, on ne me taquine pas impunément. J'ai le bras long. Lucien Ségalène parlait des bonnes actions sans les faire, et faisait des mauvaises sans en parler. Moi, je ne le vois plus depuis 5 ans. Écarter la brebis galeuse, tout est là. Vous êtes jeune, vous apprendrez. Vous me rappelez un acteur américain des années 50. Curieusement, le nom m'échappe. Mais c'était dans un film de gangster. Moi, je l'aime à l'intérieur. Bon, je résume. Nous déplorons la collusion de certains milieux politiques avec la pègre. Dans bien des circonscriptions, des truands notoires ont pu chapeauter des campagnes électorales, protéger des candidats. Mais l'air qui est de la politique. Mais quel rapport avec le Brestois? Je poursuis. Nous avons de bonnes raisons de croire que ce Ségalène en question, actuellement en fuite, a participé à quelques opérations, disons, musclé. Notamment au bénéfice du député Albanel. Nous aimerions en conséquence, en cas d'arrestation, rien ne transpire. Blackout. Toute révélation doit nous être confiée. En priorité. Sont tous après Ségalène. Les descentes se multiplient, hier à l'Étoile et à Montparnasse, aujourd'hui chez moi.
Raoul, tu me dois protection. Ça urge. Et tes politicards, c'est le moment de les rameuter. Le dossier est là? Ouais, quelle question. Pourquoi serais-je ici? 50 bornes sur l'autoroute. Et je hais la campagne. Marat! Ça coasse. C'est plein de grenouilles. C'est chiant. Les atouts changent de main, Sicia. La chance tourne. Il n'y a plus une seule carte. Rien. J'ai même gardé le joker. La main qui caresse est souvent la main qui tue. Dommage que son père ne le lui ait pas dit. Ça me dit rien. Mauvaise vue? Non. Punition. T'avais raison, c'est un teignol, c'est Galen. Connaisseuse? Jerry Lee Lewis, à Amsterdam. T'as un peu? Ben non, laisse tomber, c'est pas ton genre, c'est pour les initiés, ça. Faut croire que j'évolue, monte-moi la cassette, voir. 707. 1-0-9-9. Je vais le commander, c'est la référence. Oh. Numéro de téléphone. Écris au stylo bille. 707-10-99. Jordan, rue Robert Defler, numéro 18. Deuxième étage, c'est le penthouse. Qu'est-ce qui se passe? Il y a du nouveau? Verdier va encore gueuler. J'en ai rien à cirer. T'as les moules? T'aurais dû demander du renfort. Allez. Charbon.
planté en beauté, mec, tu parles d'un canif. J'ai perdu mon calibre. Bravo les Spagos. Un instant, belle dame. Vous cherchez peut-être. Depuis vos débuts. Jolie carrière. Un admirateur, en quelque sorte. Mieux, un fan. Je suis flattée. Vous décevoir m'eût été insupportable. Parfum capiteux. À vous, bien sûr. Arrête tes conneries. Qu'est-ce que tu me vends, là? Eh, on s'y comble. Rempli par une créature. Léo. Putain, ça fait mal. Léo! 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 Sombre bilan. Bruno Lahire, Roland Beauchaud, Cicia Carpelli, Lucien Ségalène dit le Brestois, autant de témoins
qui ne pourront plus parler dans ce qu'il est convenu d'appeler maintenant l'affaire Albanel. Car c'est aujourd'hui une évidence, tous ces crimes sont reliés à celui du député. Cependant, on s'interroge. Quels peuvent être les mobiles de cette série macabre? Quelqu'un aurait éventuellement répondu à la question. La meurtrière de Lucien Segalen, ancienne call girl, croupière au cercle de Cicia Carpelli, elle a été abattue par la police alors qu'elle venait de tuer un inspecteur qui s'apprêtait à l'arrêter. Voilà donc une piste radicalement coupée. Le juge Rougier, chargé de l'instruction, aura bien du mal à renouer les fils. En supposant qu'en haut lieu, on lui en accorde les moyens. Non, pas ça. Pas quoi? Pas la dernière phrase. Remplace par... Saura-t-on jamais pourquoi le député Philippe Albanel fut étranglé à son domicile le 13 juin dernier? C'est tout? Vous terminez là-dessus? Qu'est-ce que tu veux ajouter? C'est une histoire de gros sous, non? Évidemment. Magouille d'Albanel dans l'immobilier, on se mouille pas? Ben non, pas aujourd'hui. Christine? Christine? C'est Gu. T'as pu dormir un peu, au moins. Il paraît que t'es muté. Je suis rétrogradé. Transféré à Toulouse. T'as de la chance. Il y a du soleil, au moins.
J'aurais pas dû tirer, l'enquête est foutue. Ça m'intéresse pas. Vos histoires de flics ne m'ont jamais intéressée. J'aimais Léo pour ses rêves, pas pour ses exploits. Thank you.